J'ai 41 ans, j'habite Nevers, j'ai un projet de déménagement dans le sud de la France. Est-ce que la banque a le droit de m'obliger à domicilier mes revenus? Est-ce que la banque a le droit? C'est Alors. une très très bonne question. La banque a le droit de vous demander la domiciliation de revenus, mais pour ça, elle doit vous consentir un avantage tarifaire, soit sur le taux, soit sur les frais. Et ça doit être précisé dans votre offre de prêt. C'est la réglementation qui l'impose, hein, depuis l'année dernière, 1er janvier 2018. La banque ne peut pas exiger la domiciliation sans contrepartie. Donc si la banque que vous avez consultée vous demande la domiciliation, demandez-lui de formaliser l'avantage qu'elle va vous consentir, idéalement un effort sur le taux, parce que c'est là qu'on va gagner le plus. Et effectivement, si vous signez cette offre de prêt, vous serez engagé sur une domiciliation pour 10 ans. Et si jamais vous enlevez votre domiciliation pendant ces 10 ans, la banque pourra revoir le taux et vous enlever l'avantage. Donc là, Oui, non, tout ça c'est bon à savoir. Non, mais c'est très bien de le préciser, Cécile. Bravo. C'est la règle. Donc du coup, elle doit se plier à la règle. Si ce n'était pas le cas, pour le coup, bah, je vous invite à prendre une autre banque, hein. Il vaut mieux une relation qui commence dans la transparence et dans la confiance. Et puis si vous avez prévu de toute façon de déménager, il faut peut-être aussi choisir une banque qui vous permettra de transférer vos comptes dans une autre région sans encombre, Bah oui, ça quand même et plus. comme ça vous êtes gagnant sur tous les tableaux. Voilà pour donc notre ami Patrice, Patrice. hein, qui habite Nevers et qui veut donc déménager dans le sud de la France.